Ça va? Ouais, t'es belle, t'as mis un joli serre-tête aujourd'hui. T'as ressorti tes petites figurines Mickey? Alors, qu'est-ce que t'as comme petit personnage? Le lapin. Le lapin de Mimi. Ensuite, on a Mini qui a une super robe, ok. Dingo? C'est Donald, doudou! Et le chien de Mickey, là, comment il s'appelle son chien? Je sais pas. Plus. Plus chaud. Plus chaud. Plutôt. Ensuite, on a qui? Dingo. On a Dingo. Mini Mario. On a un mini Mickey. Papa, ça va? Ah oui, ça va, j'ai entendu Mickey, Mickey. Je sais trop bien l'imiter, mon Adrien. Ha ha, c'est moi, Mickey. Oui, ça va, il y a quelque chose dans le ha ha, mais après, dès que tu commences à parler, c'est moi, Mickey. Ouais, ça va, c'est la première. Mais tu as ses oreilles, par contre. C'est vrai? Ok, sympa, mais je vais faire Donald aussi. Ellie, protège-toi les yeux. Ah, mais juste de la barbe de partout. Bon, c'était pas mal, c'était pas mal. Sinon, je vais faire aussi Goofy. C'est Goofy, lui, dans le nom. C'est Dingo. Dingo. Mais il s'appelle Goofy dans son nom original. Aux Amériques. Non. D'accord, ok. Bon, ok, je vais faire le lapin, c'est plus facile. Oui. Mais alors, tu adores imiter, hein, Papounet. Mm. Je pense que tu as loupé une vocation là. Hein. Mmh. Ouais. Mmh. Bon, ça vous dit qu'on fasse autre chose là que de regarder faire le pitre? Mmh. Ça vous dit? On a reçu plein de nouveautés Mimi. Ça vous dit de les découvrir? Mmh. Hein, Ellie, tu vas avoir de nouveaux petits personnages avec lesquels jouer. Et... trop bien! Lancez-moi le générique! Ha ha! Générique! Non, décidément, j'y arrive pas. Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Alors, papa et Ellie sont impatients d'ouvrir cette nouveauté. Qu'est-ce que c'est, Mamounette? On a eu la chance de recevoir, non pas une mini boquette. Mini boquette. Deux mini boquettes. Trois mini boquettes. Non pas trois mini boquettes. 14 mini boquettes. Ni quatre. Mais il y en a encore beaucoup. Et on en a une cinquième. Alors, regardez, ce sont des petits sacs à main. Il y en a 12 à collectionner. Ce sont des mini bouquets. Voilà, donc à chaque fois, je pense qu'on a un petit personnage différent à l'intérieur. Et ce qui est cool, Papounet, c'est que cette petite valise, elle se transforme en petit univers. Attends, t'es en train de me dire que quand on ouvre dedans, il y a un petit univers Disney? Oui, on va découvrir ça ensemble, regardez. Une ouverture facile. Oui, bah, Ellie l'a déjà trouvé. Hop, premier bouquet, donc. En fait, regarde là. Alors, regardez, ah oui, c'est trop beau, ça ressemble au nœud de Mimi. Ah oui, et dedans, il y a des surprises. Waouh, des sachets surprises. Trop bien, j'adore, j'adore. C'est comme une maison, tu as raison. Et dedans, il y a quoi? Il y a des autocollants et des choses comme ça. Regarde, Mamounette, c'est comme une petite maison dedans. Alors, regardez. C'est trop sympa. Ici, on a comme un petit salon avec un petit canapé, des petites marches. Et en haut, on a une... oh, oh, j'ai perdu le nom, Papounet. Comment ça s'appelle, ça? C'est les trucs de couturier. Ah oui, ça permet, c'est un mannequin. C'est pour prendre les mesures, voilà, pour créer des robes. Parce que Mini, dans sa petite série, elle a une boutique où elle crée des nœuds, etc. et des robes. Trop chouette! Et regarde, Mamounette, on peut customiser l'intérieur. Oh, trop bien! Ah oui, d'accord, ok. Alors, Sally, elle va kiffer. Hein. Il y a les parquets, il y a une petite pancarte open. Oh, trop bien! Oh, c'est cool! Et donc, on a deux petits sachets, Mamounette, dedans. Et regardez, donc c'est bien le nœud de Mini. Allez, on est impatients d'ouvrir les sachets. Alors regarde, ma petite. On a cinq couleurs différentes. Alors, j'espère qu'on aura cinq personnages différents. Je pense qu'on en a cinq différents, oui. Tiens, ma puce. Voilà, le premier sachet, et donc là, le deuxième... C'est comme une poupée LOL. C'est comme une poupée LOL, c'est vrai, tu as raison. Regarde, Mamounette. Oh, il y a les accessoires. Oh, c'est trop beau, regarde. Waouh. C'est glitter. Regardez, la robe est toute pailletée. Trop chou. Toute rouge. Et regarde, Mamounette, c'est trop mignon, les accessoires. On a ensuite... ah, on a le petit lapin de Mimi, ok, avec ses petites carottes, sa petite botte de carottes. Trop chouette. Et on a une mini avec un béret. Alors on essaye de mettre le béret. Ouais, ça se met comme ça, je pense. C'est comme une poupée LOL. Ouais, c'est pareil, en fait, il faut l'habiller. C'est pareil. Alors, on va laisser Ellie habiller sa mini et puis on vous montre tout de suite après. Ça y ressemble, hein. C'est vrai que c'est un peu le concept de la LOL, hein. C'est ça, hein. Tout à fait. On a une surprise qu'on ouvre et puis on a des accessoires et puis un petit personnage à habiller. Regarde, Mamounette. Enfin, c'est chouette l'univers Disney, donc je vais essayer de vous l'habiller en direct.
j'ai réussi à mettre la robe à Mimi. Elle lui va parfaitement. Montre-moi le petit béret qui va avec. Alors, à mon avis, il faut la coincer sur une de ses oreilles. Elle est trop mignonne. Regardez, trop beau. Alors, moi, j'adore Mimi. Je l'adore. Alors, regardez, en plus, en dessous, elle a un petit débardeur, un petit maillot de corps. Oh, trop chouette! Alors ça fait un super petit ensemble là avec le lapin. Regarde, et tout. On a ouvert le deuxième. Alors le deuxième, c'est un peu pareil dedans, regarde. Pareil, avec les petits autocollants. Alors les autocollants sont différents, c'est tout ça qui va accessoiriser et qui va créer un univers différent. Regardez, donc là, on a une salle comme un écran de cinéma en fait. Ah oui, à mon avis, c'est plus écran de cinéma, Rockstar. Regardez, il y a une bobine, des sièges. Waouh, waouh, waouh! Ça, ça va être sympa à créer. Maintenant, dedans, il y a les dépliants qui nous montrent les 12 boquettes. Je te le donne, tu nous le montreras à la fin. Hein. Montre pas tout de suite, c'est la surprise pour le moment. Est-ce que tu veux que je t'aide à ouvrir ça, ma puce? Allez, je l'ouvre. Tiens, ma puce, j'ai ouvert celui-là. Ellie, elle est dans le dépliant. Elle fait lequel je vais avoir? Lequel je vais avoir? Tu le sais? Bon, ouais, bah oui, hein. On a vu par rapport aux couleurs de nos petits sacs à main. Allez, tiens, ma puce. Oh là là, robe de soirée, Mamounette. Oh là là. Alors là, c'est violet, glitter. Waouh. La petite robe bustier, violette. Oh non, trop mignon, le petit animal de compagnie, regardez. C'est une saucisse à pâte. C'est une saucisse sur pâte. Oh, ils sont bien faits. Oh, c'est de la super qualité. Mamounette. Trop bien. C'est génial. Quoi? Il n'y a pas que des mini dedans. Ah, dis-moi pas qu'il y a Daisy aussi. Oh, trop bien, Daisy. Trop bien. Alors ça, c'est top. Regardez là. En plus, elles sont toutes articulées. Hein. Regardez, hop, on peut bouger les bras, etc. Alors, oh, t'avais un petit peigne avec. Le petit peigne. Est-ce que tu vas réussir à lui mettre sa robe, mon amour? Ouais. Mamounette, on a une chance de fou. Parce qu'il n'y a que 3 Daisy dans toute la collection. Oh. Et là, on en a une. 3 trop sur 12. Trop de la chance. En plus, c'est une pailletée. En plus, c'est une pailletée. Si on en ouvrait une autre, si tu veux, moi, je te mets la robe. Enfin, allez, je mets la robe. C'est parti. Je vais essayer d'y arriver. Hop, du premier coup. Tac, tac. Ouais, c'est assez simple. Hop, hop. Et voilà. Oh bah. En deux temps, 3 mouvements. Regardez. Wow, wow, wow. Là, elle est prête à partir en soirée, la Daisy. Et moi, je voudrais souligner quelque chose, Mamounette. C'est que les paillettes n'arrêtent pas sur les mains. Oui, c'est de la bonne qualité. Bonne gamme. Et ça fait toujours plaisir à Mamounette de ne pas avoir des paillettes de partout. Oui, on a vu la petite boquette. Il y a des paillettes aussi. Ouais, elle est sympa. Alors, on ouvre le troisième boquette, Mamounette. Alors, hop, toujours pareil, petit univers, mais différentes couleurs. Ok, ici on a les petits autocollants. Quel va être le thème? Oh, là on est sur de l'école. On a un petit bureau, un petit tableau, un globe. Des petits crayons, la pendule, ici des classeurs. Sympa d'avoir créé un petit univers différent à chaque fois. Trop chouette. Alors Mamounette, on a une mini cette fois-ci. D'accord. Ellie va regarder si elle la trouve. Oui, tu l'as trouvée. Ouais, alors, elle, hein. Le petit animal de compagnie, regardez, c'est un petit écureuil, je dirais, non? Oui. Fais voir, Mamounette, non, on dirait un plutôt un petit hamster. Un hamster, oui. Un petit rongeur, ouais. On dirait un hamster ou un hamster? Un hamster. Un hamster. Et oui, on fait pas la liaison parce que c'est un H aspiré. Un hamster. D'accord. Voilà. Tu te souviens, Mamounette? Tu te souviens, Mamounette. Est-ce que tu te souviens, Mamounette, comment Lana disait les hamsters à l'époque? Les hamsters. Les hamsters. Non, mais attends, je suis pas grabataire, hein, quand même. C'est vrai, tu te souviens encore, t'as pas encore trop Alzheimer. Alors, non, ça va. Elle confondait le mot hamster et le mot mystère. Ça faisait hamster. Elle était petite. Elle était petite, elle avait quoi? 2 ans. Ouais, j'aurais dit 3, ouais. Ouais, wow, ouais. Et regarde ce qu'il y avait avec. Alors ça, Mamounette, il va falloir que tu me dises ce que c'est. Parce que je... Ah si, je sais. Tu sais, c'est le compte-gouttes pour donner à boire aux hamsters. Ah oui, c'est un petit biberon qu'on accroche sur les cages. Et après, ils collent leur tronche dessus et l'eau est distribuée au goutte à goutte. Trop mignon. Trop rigolo. Alors moi, je mets la robe à Mimi, hein, à moins que tu veuilles l'avoir déjà sans robe. Il y a un petit accessoire aussi, regardez, on a un petit sac, une petite pochette de Fifi. Et donc là, on a la Mimi sans sa robe. Et voilà la robe. Très sympa. Et à chaque fois, elle a un dessous différent, hein, elle a des dessous différents. Ensuite, on va lui mettre les bras en l'air. Hop. Voilà.
On se retrouve un petit peu dans un hôpital. Dans un hôpital? Dans un hôpital, tu penses? Ah oui, le prochain, c'est vétérinaire. Et voilà, maman. T'es arrivée, Mamounette? Est parvenue à l'habiller. T'as mis du temps, Mamounette, hein? Mais c'est pas facile à travers la caméra parce qu'en fait, je regarde en même temps pour voir si vous voyez les petits copains et les petites copines. Donc voilà. Tu te cherches des excuses, là, on a bien compris. Ah non, mais c'est vrai, c'est dommage quand même de pas voir cette belle robe. Regarde la couleur du suivant, j'adore. Ah ouais. Pastel. Ah, on est sur du préféré, là. Et tu sais quoi? Et les autocollants, c'est quoi? Alors, Elie a dit, oh, on est sur un hôpital. Un hôpital? Un hôpital, déjà, et je crois pas, en fait. Mamounette, tu vas tout de suite deviner, regarde. Oh oui, regardez. Vétérinaire. Eh oui, clinique vétérinaire, on a la radio. Ici, on a des photographies d'animaux, on a des chats. D'animaux? Des photographies d'animaux, on a des chats, un stéthoscope. On a du mal aujourd'hui avec les conjugaisons. Hein. Bah écoutez, il y a des fois, c'est pas facile. Heureusement, papa veille. Mmh. Maître Capello est là. Alors, dis-moi pas que t'as un chat quand même dans cette petite set. Si, on a un chat. Comment il s'appelle le chat chez Disney? C'est Marie, je crois, hein, le chat emblématique. Dans les Aristochats? Ouais, c'est. Ah, oh, il y en a plein. C'est dans les Aristochats, Marie? Ah, oh, bien sûr. Sympa. Regarde, elle est trop belle. Oh, elle est sympa comme ça aussi. Trop chouette. Alors, elle a une petite robe. Waouh, c'est même une combi short, ça. C'est une combi short? Oui. Et elle a de quoi dormir, regarde, c'est ce que c'est. Oh, ça, là, un masque de nuit. Un masque de nuit. Regardez, trop rigolo. Et un petit chat. Avec un petit chat. Et cool. Le petit chat, il a un accessoire. C'est ce que c'est, ça. La petite gamelle à croquettes. Ah oui, petite regardez. Gamelle qui a deux petites oreilles. Voilà, ici, on a un chat. Alors, le chat, il est cafi de nœuds. Il en a sur la tête, autour du cou. Ok. Alors, on commence à mettre les autocollants. Hein. Mais je crois qu'il en reste un, ma puce. Ah ouais. Ah, tu l'avais oublié. Hein. Oh oui, mais ça, je te le laisse, je te le mets de côté. Tiens. Et donc là, regardez, je l'ai habillé. Je lui ai mis sa petite combi short. On va lui mettre son masque de nuit. Et voilà. Trop rigolo. Oh, c'est trop sympa. Et Mamounette, regarde ce que je viens de découvrir. Ça, là, ça s'enlève. Et dessus, tu peux mettre la robe après. Mais oui, c'est trop bien. Quand elle va se coucher, hop, on enlève la robe de la couche. On met le masque de nuit. On met dessus, comme ceci, et voilà. C'est top, hein. Et après, donc, on peut l'exposer. On l'expose comme ça. Et voilà. C'est des robes comme ça, on les met pas en chiffon sur une chaise. Non, jamais. On les repasse, on les range bien comme il faut. On les défroisse même, parce qu'à mon avis, ça aime pas trop le faire à repasser, la paillette. Non. Ça se voit que tu repasses pas, papounet. Non. T'as déjà fait ça au moins une fois dans ta vie? Ouais. Et bah, la chemise s'en souvient encore. Hein. Ah ouais, d'accord. Elle avait la forme de la semelle. J'ai fumé, j'ai tout cramé. On va dire tout, c'est pas la peine. T'as bousillé le fer à repasser, la chemise et aussi, comment ça s'appelle, la planche à voile là? La planche à repasser. La planche à repasser, moi j'en fais des planches à voile. Est-ce que tu y arrives? C'est dur? Tu veux que je t'aide? Ah, elle est là, la ouverture facile, regarde. Elle est là. Allez, voilà, cette craque. Oh, bravo. Tu sais quoi? Ça fait longtemps que je me suis pas mis un truc sur la tête, Mamounette. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça nous gêne, ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans, à l'intérieur, Alors, qu'est-ce que c'est dedans? Quel est le thème, cette fois? Alors, le thème... Moi, je vois un avion, il me semble. Tu vois un avion? Ah, juste ici. Ah oui, un petit avion, ça serait le voyage. Est-ce que ce serait pas un aéroport? Oui, Mamounette, c'est un aéroport. Bam! Bam, bam. Les voyageurs en destination, ils disent comme ça, bon. Ah, destination. Les voyageurs à destination de Paris sont priés de se rendre sur le quai d'embarquement numéro 1. Porte B. Ah, trop tard, l'avion est parti. Ah, ah non, attends, l'avion n'est pas parti, mais 10 ans à décoller. C'est long, prendre l'avion, mais c'est long. Ah, c'est long, mais qu'est-ce que c'est bien une fois qu'on est dedans? Oui. On fait que manger dedans. Vous voulez manger? Oui, je veux bien manger. On a fini de manger, 10 secondes après, vous voulez manger? Oui, je veux bien manger. Souvent sur les longs courriers, hein. Ouais, c'est quand c'est des petits vols. Y'a rien. Tu payes. Y'a rien. Un jus d'orange, oui, 50 oui. euros. Merci. Oh, merci. Merci Air France. The French is quoi, une secousse? Et là, tout le jus d'orange est par terre. Et là, tu dis... Alors, on a ouvert les petits sachets. Et là, on découvre qui? Oh, il y a plein d'accessoires là. Bah, alors, on a de la valise. Ça serait Daisy, elle me dit.
Ça serait trop bien. On aurait 3 minutes. Elle a raison. C'est Daisy. Ouais, c'est vrai que dans les livres Walt Disney, elle est souvent en voyage, Daisy, je trouve. Elle a souvent son petit bagage comme ça. Elle se barre comme ça. Elle voyage, elle profite de la vie. Et elle a raison. Je me casse. Alors, qu'est-ce qu'elle a, Daisy? Elle a, regarde-moi, sa petite valise à roulettes, forcément. Elle a aussi un bel habit brillant. Wow. Glitter. Wow, c'est du glitter. Oh, c'est trop mignon, ma mounette. Oh, les accessoires qu'Eli est en train d'installer. Regarde bien. Si je te fais, je vais voir un robinet. Oui, c'est un petit Didi. On a un petit canari. Ouais, c'est ça. On a un petit poussin. Regarde. C'est un canari, c'est pas un poussin. C'est un canari poussin. Regardez, c'est un petit canari, un petit cuicui. Et on a sa petite maison. Avec son petit perchoir. Trop bien. Et bien sûr, on a Daisy. Et on a Daisy. Daisy, trop mignonne. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que quand même... Moi, je sais pas. J'ai toujours halluciné sur leurs chaussures. Ah ouais? Quand j'étais petite, j'adorais dessiner des Mimi et des Daisy. Et elle m'a regardé les chaussures qu'elles ont. Je sais pas pourquoi. Je les trouve... Je sais pas. C'est emblématique. Les chaussures drag queen. C'est emblématique. La façon dont ils ont dessiné leurs chaussures, depuis toujours, elles sont comme ceci. Alors moi, mon trop chouette. Ce qui m'interpellait chez Daisy et Donald et Picsou, c'est leur bec. Franchement, j'ai essayé 1000 fois de redessiner, tu sais, faire le... Alors, à la fin, j'y arrivais. Oui, moi aussi, mais je les reprenais, ouais. C'est compliqué. Oui, c'est pas facile. C'est compliqué, mais comment? Mais Monsieur Disney, pourquoi t'as fait ça? Mickey, un rond, hop, on fait un M comme ça, là, et puis deux ronds, hop, ça y est, on a Mickey ou Daisy. Mais les canards? Mais pourquoi un bec? Moi, j'aurais fait, je sais pas, un ours, c'est facile. Voilà. Tiens. Alors, c'est vrai qu'elle est trop belle, hein. Pour les petits copains et copines, on va laisser Ellie coller tous ses autocollants. Je crois que c'est la phase qu'elle adore. On se retrouve après. Et on se retrouve après, tu crois? Oh, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, oui, je crois. Donc les petits copains et petites copines, hein? Bon, les petits copains et les petites copines, ces petites boîtes, ces bouquets de chez Mini, elles sont désormais disponibles dans les magasins, Papounet? Oui, pardon, je refaisais ma diction. C'est bon. Vous pouvez les retrouver dans les magasins. J'allais y arriver, là, ma mounette. Bon, je réessaye. C'est vachement dur à dire, les petits copains et petites copines. Essayez de dire rapidement. Bonjour, les petits copains et les petites copines. Sans bafouiller, franchement. Heureusement bonjour, qu'on a fait copains, plus de... les copines. Bim. Oui, mais elle a 5 ans. Elle n'a pas dit petit, c'est ça qui est dur. Bonjour, les petits copains et les petites copines. Il m'a fallu 1005, car c'est la 1005e vidéo qu'on tourne sur cette chaîne pour y arriver. Et encore, vous avez vu... C'est pas gagné. Bon, les petits copains et les petites copines, sachez que ces figurines sont désormais disponibles en magasin. On remercie très fort Disney de nous avoir envoyé tout ça. C'est IMC Toys qui fait ça, Papounet. Qui ça? IMC Toys, comme d'habitude. Connais. Ouais, je remercie surtout Mathieu, qui est mon correspondant et qui nous envoie tout ça. Je te fais un petit kiss, Mathieu. Bon, voilà. Ah bon? Ouais. Et moi, tu me fais pas des kisses. Un petit, je te tape la main. Ah, je viens de me péter les doigts. Un check. On a entendu le craquement en direct. Entendu. Oh, la synovie là qui vient de partir. Appelez le médecin. Anti-inflammatoire, donnez-moi. Donnez-moi du kétoprophène. Donnez-moi un plâtre. C'est vrai que là-dedans, il y a un truc vétérinaire. Les petits copains, on va vous laisser. Oh, tout s'enlève en plus. Ellie vient de trouver quelque chose de nouveau. Tout s'enlève et se remet. Oh, trop bien. Regardez quand même, juste avant de vous quitter, les 12 petites boîtes que l'on peut trouver. Regardez de plus près. Voilà, on a les 3 premières. Là, on a vu les 6, les 9 et les 12. Regardez tout ce qu'on peut avoir. Ça, c'est trop bien. Trop cool, ces boquettes. Mamounette, regarde, fais silence. Vous entendez savez rien? Ce que c'est? Attends. Mais Lana, réveille-toi, Lana ronfle. Je sais pas si vous l'entendez à la caméra. C'est Lana qui ronfle. C'est pas Lana. Mais non. C'est notre chien, notre bulldog français qui dort et il ronfle comme une vieille mamie. Il fait. Ah ouais, donc c'est impressionnant. Ouais, si vous entendez ça dans les vidéos prochaines, bah vous saurez que c'est notre chien qui ronfle. C'est Oki qui se repose, bichounette. Elle est partie chez le voisin, il faut bien qu'elle se repose là. C'est une vraie locomotive. Franchement, même moi je ronfle pas comme ça. Si vous voulez aller chez le voisin, prenez le train. Si vous voulez aller chez le voisin, prenez le train. Bon, les petits copines, cette fois on vous laisse. Vous faites gros bisous, likez, partagez, abonnez-vous et surtout avant tout, un maximum. Soyez sages. Gros bisous. Si vous n'êtes pas sage, mettez un pouce bleu comme ça. Ah.
Thank you.